Apparition officielle pour le prince William et le prince Charles. Le duc de Cambridge a rejoint son père pour la messe donnée pour les fêtes de fin d'année. En effet, St. Giving for the Life and Work of Sir Donald Gosling s'est tenu au sein de l'abbaye de Westminster, mercredi 11 décembre, à Londres. Le prince Charles portait la tenue militaire traditionnelle, ses décorations acquises au cours de sa carrière accrochées à sa veste à double boutonnage et aux manchettes aux coutures dorées. Le prince William portait lui un costume bleu nuit et une chemise blanche, assortie à sa cravate. Le tandem a été photographié à la descente de leur véhicule, aux abords de l'abbaye. Était également présent à la cérémonie Camilla Bowles, la femme du prince Charles, ainsi que le comte et la comtesse de Wessex et le prince Michael de Kent, membre de la famille royale britannique. La messe était donnée en l'honneur du défunt Sir Donald Gosling, décédé le 16 septembre dernier à l'âge de 90 ans. Il était un vice-amiral britannique et avait occupé la fonction de président des parcs de stationnement nationaux et était connu pour être bienfaiteur d'organisations caritatives de la marine. Des vacances en famille et lorsqu'il ne s'attelle pas à ses responsabilités royales, le prince William savoure les moments en famille. En effet, l'heure des vacances a sonné pour les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge. Comme le précise Hello Magazine, ils pourront ainsi profiter d'un peu de répit, avant de reprendre le chemin de l'école le 7 janvier prochain. Déjà impatient de passer les fêtes de Noël à Sandringham avec le reste de la famille royale, le prince George et la princesse Charlotte ont déjà fait leur liste de cadeaux. Et parmi eux, la petite fille de 4 ans a commandé un poney. Reste à savoir si ses parents vont céder. Step up.